Monsieur Aubry, vous allez présenter Ultra Lucky dans le quintet de dimanche à Auteuil. Vous avez préféré cette course plutôt que le prix Léon Hollery Roderer. C'est plus facile, ce sera plus facile pour lui. Oui, ce sera plus facile pour lui parce que jusqu'à la fin de l'année, je vais lui donner des parcours simples et fluides sans attaquer les grands chevaux, quoi. D'accord, très bien. Et donc là, vous avez choisi aussi de revenir en haie après avoir été en steeple, mais bon, c'est un cheval qui est très agile, quoi. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Oui, il n'y a qu'un problème, le lait comme le steeple, maintenant, ça va tout seul, quoi. D'accord. Il n'y a pas de problème, et puis bon, je voulais lui faire encore une dernière course pour la fin de l'année en étant gentil, parce qu'il a quand même couru depuis le début de l'année. D'accord. Il n'est pas fatigué, mais voilà, je voulais encore le préserver pour l'année prochaine pour les grandes échéances. Voilà, on sent que c'est un cheval que vous estimez beaucoup et qui a encore une certaine marge de progression. Hein. Oui, je pense, plus les ratios et distances, mieux ça sera pour lui. D'accord. À chaque fois, il se fait avoir par un cheval dans les 5 derniers mètres parce qu'il n'a pas une qualité de plat exceptionnelle. D'accord. Quand il a un cœur gros comme lui, je pense que la distance va m'avantager à l'avenir. D'accord. Donc là, il va porter 72 kilos, mais bon, il a déjà bien fait sous des lourdes charges. Oui, il a déjà très bien couru sous 70 kilos. Maintenant, il y a 2 kilos de plus. Le lot est plutôt, je pense, à sa portée. Voilà, oui. C'est pour ça que je cours ça, quoi. C'est un lot quand même, c'est juste un handicap, c'est même pas l'ISTED. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Le lot ne fait pas peur. Le cheval, il courra contre son poids, c'est ce qu'on peut dire, quoi. Voilà. Mais... son seul adversaire. Voilà, donc au niveau forme, il est resté aussi bien, il n'y a pas de souci. C'est même des bêtises, il est grand en circuit. Ah, d'accord, ok. Et le terrain, s'il est bien lourd, ça aussi, c'est... Ah, c'est... Ça, c'est un avantage, parce que depuis le début d'année, à l'été, on n'a jamais eu de terrain lourd. L'année dernière, c'était un grand nageur avec un terrain très pénible, mais j'attends de revoir dimanche, je pense. D'accord. Il y aura le point contre lui, mais il y aura le terrain avec lui. Donc, d'accord. Je pense que ça fera la différence. Vous restez confiant quand même, malgré les 72 kilos? Oui, parce que c'est un cheval, c'est pas un cheval important, c'est pas un grand cheval, mais il a fait voir qu'il pouvait monter, qu'il pouvait tenir le poids sous 68, 70 kilos dans des grandes épreuves. Donc là, dans un tiercé, pas dire assez médiocre, mais pour conduire des chevaux assez moyens, je pense que ça devrait aller quand même. Oui, puis c'est un cheval qui répond toujours présent, donc il n'y a pas de raison qu'il ne. Qu'il fasse... Parce que ça lui fait une drôle de musique, quoi. Voilà, tout à fait, ouais.